c'est bon? Non, attendez, c'est en direct. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Fodé Baldé, responsable de la communication chez l'UFR. Alors Fodé Baldé, dites-nous, un verdict devait tomber aujourd'hui autour de cette plainte de votre leader, monsieur Sidya Touré. Dites-nous quel est le verdict qui a été rendu au tribunal. Effectivement, ce matin, nous avons été invités à répondre à l'appel du tribunal de Dixine, et le verdict est tombé. Effectivement, dit que la juge se déclare incompétente de connaître de cette affaire, et c'est ce à quoi nous avons assisté ce matin. La juge a déclaré son incompétence. Autrement dit, vous n'avez pas été satisfait au tribunal? Non, en fait, c'est un déni de justice. Un déni de justice en ce sens que la juge ne pouvait pas se déclarer incompétente face à ce pourquoi elle a été saisie. Parce que tout simplement, c'est une lettre qui a été envoyée par le patrimoine bâti à un citoyen guinéen qui n'est pas concerné par ce service et qui n'a jamais eu affaire à ce service. Donc nous avons saisi le tribunal, espérant que la justice qui a été désignée comme étant la boussole de cette transition puisse se manifester. Mais malheureusement, l'occasion qui leur a été donnée a été ratée. Et c'est vraiment un regret. Parce que d'où nous venons et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, on est tenté de se poser la question de savoir est-ce les Guinéens, est-ce la justice un jour tentera vraiment de jouer son rôle dans le cadre de la marche vers le progrès et la démocratie dans notre pays. C'est la question réellement que l'on est tenté de se poser. Oui, mais à l'instant... Est-ce que vous êtes disposé à rendre les clés? D'abord, où se trouve le président Sidya Touré? Le président Sidya Touré va très bien. Il est ici, il est à Conakry, il va très bien. Et il est dans la commune de Ratoma, très bien. Donc, est-ce que nous allons rendre les clés? Je pense que c'est ce à quoi nous comptons nous atteler dans les heures qui suivent, parce que nous estimons qu'il y a des défis plus énormes que cette question de terrain. Je pense que la Guinée mérite qu'on s'y consacre et qu'on se batte vraiment pour relever ensemble les défis de démocratie, les défis de droits de l'homme, le défi de justice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'injustice. Ce n'est pas pour autant que nous allons essayer vraiment de compromettre vraiment tout ce que les choses sérieuses arrivent. C'est celle d'organiser les élections rapides pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, dites-nous, jusqu'hier, Sidya Touré était à son domicile à 15h quand j'ai appelé. Jusque ce matin. Donc, ça veut dire qu'il a passé la nuit ici. Est-ce qu'il a eu au moins le temps de vider la maison de son contenu? Mais vous savez, c'est une question souvent qu'on nous pose et qui est difficile à répondre. On serait même tenté de vous poser la même question, à savoir, est-ce que si vous habitez dans une région pendant 25 ans et qu'on vous envoie une lettre le 16 février vous demandant de quitter votre domicile à vous dans les 10 jours, est-ce que vous serez à même de prendre tout ce qui vous appartient pour sortir? Donc chaque Guinéen doit se faire là à ce niveau-là sa réponse. Et je pense que c'est impossible à mon niveau. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Et je pense que les Guinéens savent désormais dans quel cadre juridique sommes-nous. Et je pense que tous les Guinéens en tireront les conséquences. Quand Sidya Touré, le président Sidya Touré, président de l'UFR, a appris cette nouvelle, dans quel état il était? Très serein, comme toujours. C'est un grand homme qui a vécu des crises, à ne pas oublier. Il fait partie de ceux qui ont redressé la Côte d'Ivoire lorsque la Côte d'Ivoire connaît la crise des années 90. Il fait partie de celui qui a redressé la Guinée lorsque nous avons connu la mutinerie. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui, depuis son enfance jusqu'à maintenant, est toujours confronté à certaines réalités comme les crises. Donc il est très serein et il estime que tous les voies de recours n'ont pas été épuisées. Nous allons continuer à faire confiance à la justice. Elle s'est jugée incompétente. Et c'est l'histoire qui tiendra que une juge ou la juge du tribunal de Dixine s'est déclarée incompétente face à une affaire qu'elle devait réellement connaître. Maintenant, l'histoire tiendra cela et la marche de l'histoire continue. En un mot, pour terminer, Sidya Touré va libérer sa maison maintenant.
Oui, nous allons le faire. Comme je l'ai dit tantôt, nous attendons à le faire, mais nous attendons nos conseils pour le faire dans les règles de l'art. Et nous estimons que le droit sera dit. On n'a plus le temps. Hein? Il est 10h pratiquement et c'était le deadline. Oui, et je pense que nous avons encore quelques minutes, encore quelques secondes. Et j'espère que ça aussi, ce droit, qu'on ne va pas nous les violer. Donc, on attend toujours et que, voilà, on s'exécutera conformément à notre engagement face à notre pays de la Guinée. Merci, M. Fodébalde. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Ah bon?